Alors, moi, je m'appelle Marielle David, j'habite à Saint-Étienne, enfin à côté de Saint-Étienne, et je suis kinésithérapeute. Parce que je suis sportive aussi à côté, donc je suivais Pierre sur ses postes au niveau de l'aide aux sportifs grâce à la dépolarisation, et j'ai vu que ça aidait les gens, enfin les sportifs, dans leur performance. Et comme je voyais bien que c'était le même fonctionnement par rapport à mon blocage, et ben ça m'a intéressée et voilà, j'ai fait l'identité gagnante. De là, forcément, moi j'ai évolué, j'ai fait lâcher le syndrome de l'imposteur en ayant des dépôts sur moi-même, donc avec Isa. Et là, je me suis dit, je peux vraiment encore plus évoluer là-dedans et je suis rentrée dans la formation de technicien dépolarisateur. Je me mettais la pression pas mal et là j'ai compris que finalement ça ne me servait à rien de faire ça. Enfin, j'ai appris sur moi pour évoluer dans mon métier, quoi. Et vis-à-vis de mes patients, eh bien, voilà, c'est un gros changement parce que de plus en plus je vois cette part émotionnelle qui ressort. Bon, certainement j'y fais plus attention aussi. Hein. Et du coup, le fait qu'ils travaillent sur leur perception et le fait de dépolariser des choses, eh bien, enfin, il y a des pathologies qui forcément s'enlèvent. Ah ben là, je lui dirais forcément de ne pas hésiter, parce que ben, comme on n'a pas forcément conscience d'où on peut aller, et forcément ça fait toujours un peu peur, c'est de l'insécurité. Et on ne voit pas forcément la finalité du process, mais que forcément il y aura une transformation sur eux.